nom de Dieu qui donne ce que la justice exige. Ça les péchés à traduire bail, mais l'amour bon Dieu prend bon, l'autre substitut, le remplaçant qui t'a pour prendre l'amour en place nous. Et c'est pour ça, bon Dieu, vous voyez, pour petit Jésus comme un substitut pour mourir, eh bien, pour les pécheurs. C'est pour lui mourir, c'est pour être capable de payer. Et pénal, là, c'est pour le payer, prière en plein. C'est pour ça que Jésus vient mourir. Maintenant, puisque l'exigence du péché est payée complètement, et l'exigence est satisfaite, eh bien, Dieu est capable de sauver un pécheur qui acceptait Jésus-Christ. Et une fois qu'on a accepté Jésus-Christ, eh bien, Dieu est capable de sauver. Mais avant ça, la justice de Dieu va permettre qu'on ait un salut sans qu'on ne paye pour péché. Et puisque on ne peut pas payer pour ça, bon Dieu fait un plan quand même pour être capable de payer pour lui. Eh bien, qu'on y a, on est capable d'accepter, on est capable d'accepter et il est capable d'accepter. Nous avons un terrain que vous devez. Il y a un groupe de mounions, il y a un groupe pour utilisation pour l'église. Alors, je ne devine pas qu'à prendre, donc je connais pas utiliser. Mais le fait que normalement, il y a de payer, on ne peut pas de rien. Et ça me fait dire que je ne peux pas payer pour de rien. Et puis, moi, j'étais allé payer notaire, payer tout prix pour eux. Et puis après ça, l'homme arrivé côté eux. Moi, dit mes papiers, mais on a besoin quand même, comme nous avons besoin de payer pour rien, et que nous connaissons que nous n'avons pas qu'à payer, on dit, mais même si nous avons 5 gouttes là, là, nous venons de nous retourner, nous avons payer pour rien. Donc, c'est ça que Dieu fait là. Alors, par contre, si nous suivons ça, nous avons dit non. Gagné rien, nous avons acheté un bon corps. Et nous n'avons pas de corps pour payer pour ça. Et nous avons payé gratis, comme ça. Sans pas qu'on contrat de paiement. Nous avons tout prix, fait tout papier. Et nous avons prêt pour être capable de payer au papier. Hein. Je dis alors, d'après au prix, je débarque en ferme. C'est pas bien ferme, je débarque. On va en ferme pour 2 ans. Il ne faut pas bien faire pour 2 ans maintenant pour moi, sinon qu'à utiliser. Mais comme peut-être nous n'avons pas qu'à payer, donc, mais 5 gouttes. Prends 5 gouttes là dans la main. Là, au point de tourner pas moins. Pas moins. Je dis nous payer pour ça. Et gars, il va faire gratis. Son prix qui paye pour lui. Donc, je continue de commencer à me dire. C'est ça que Dieu fait avec nous. Nous, nous devons payer pour ça, nous, pour pécher nous. Et puis, ça le fait lui-même. Il ne peut pas nous payer comme juste qu'il est. Il ne peut pas accepter nous sans nous pas payer pour. Pour nous pas payer pour pécher. Hein. Lui-même, il choisit un paiement. Et il ben nous pour nous payer pour pécher. Hein. Et c'est Jésus pour nous payer au péché. Et quand il va coûter nous rien, il seulement coûter nous accepter. Puis le gros problème que tu as gagné, c'est si tu pas accepter 5 ou la parole. Si tu pas accepter, donc on y est, il n'a pas qu'à faire, le contrat n'a pas qu'à faire. Et ça fait n'importe qui va accepter Jésus, le contrat n'a pas qu'à faire avec bon Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Et vous pas accepter Jésus, le contrat n'a pas qu'à faire avec bon Dieu. Parce que c'est Jésus qui prie. C'est lui bon Dieu accepté comme seul prix. Et si vous pas accepter prix ça, vous pas dans le contrat. Est-ce que nous comprenons ça, m'expliquer après midi? Donc c'est ça que fait Jésus, c'est seul remède pour maladie l'humanité. Jésus. Allez comprendre, vous gagnez l'argent, ça va être faux. Ça va être faux, je vais demander. Vous comprenez, vous faites notre famille.
Ça va vous rejoindre mon Dieu. Allez comprendre. Rien dans sa voie. Seulement accepter le prix que Dieu a fixé, qui est Jésus son Fils. Donc c'est Jésus qui justifie nous. Donc, mais cette justice est révélée seulement par la foi, seulement par la croyance en Jésus. C'est pas par on va récapituler en main nous. C'est pas par on va avec la foi courage nous. Mais c'est par la foi dans Jésus. Justice ça, la fête. Donc, c'est la fête de. Alors il dit la justice de Dieu révélée de foi en foi. De foi en foi. Qu'est-ce que ça veut dire? Attends, tenez. La justice de Dieu est révélée de foi en foi. Ça, l'a dit là. La petite justice de Dieu, hein? Il démontrait de foi en foi. Parce qu'en lui est révélée la justice est révélée de Dieu par la foi et pour la par la foi et pour la foi. Qu'est-ce que ça veut dire? Révélée par la foi et pour la foi. Eh bien, révélation ça a fait ça, ça veut dire que révélée de la fidélité de Dieu, de la fidélité de Dieu à notre fidélité. Bon Dieu est fidèle pour le faire et nous sommes fidèles pour le recevoir. De foi en foi, par la foi et pour la foi. Et c'est ça le dit. Ou bien d'un degré de foi à un autre degré, par la foi, du commencement à la fin. Mais on va dire soli fide, seulement la foi. Soli fide, seulement la foi. Soli fide. Seulement la foi. Donc la justice de Dieu est pas bâillée sur base de quel mérite, quel monde. C'est pas parce qu'on prend la prière qui peut faire justice, qui va justifier. C'est pas parce que ou pas mon l'argent, ou pas ou manger un peu, qui va justifier. C'est pas parce que ou l'église chaque dimanche qui justifie. C'est pas un lien ou fait, c'est pas action qui rend nous qui justifie. Donc, mais il est basé sur le principe de la foi seule. Soli fide. Soli fide. Soli fide, seulement la foi. Seulement la foi. Travaille dans quelques bagailles. Dans quelques bagailles, mais c'est vite en latin, ça va pour soli fide. Seulement la foi. Mais soli deo gloria. Ouais, plus la gloire. Soli deo gloria. A Dieu seul soit la gloire. Mais soli Christi. Seulement Christ. Seulement Christ. Soli, soli. Soli fide. Seulement la foi qui est la base de la base de notre justice. Si moi justifié, moi déclaré juste par Dieu. C'est seulement parce que m'accepter Jésus par la foi. Bon Dieu béni. L'argent, bah, il a ses œuvres ou bah, au fait, c'est ça. Bon Dieu m'a dit ça, mais c'est pas pour saluer l'argent et pas pour saluer du bien faire. C'est seulement parce que vous acceptez Jésus par la foi et ça permet que vous justifiez. Et dans Habacuc 2 verset 4, il dit le juste vivra par la foi. Celui qui est justifié par la foi vivra. Celui qui est justifié par la foi vivra. Et plusieurs fois, Paul a posé la question, pourquoi l'homme a-t-il besoin de l'évangile? Et donc, il a posé la même question. Ça. Pour qui ça? Pour qui raison fait l'homme besoin de l'évangile? Pour qui raison fait le monde besoin de l'évangile? Pour qui raison fait un Américain besoin de l'évangile? Pour que les autres fassent un Canadien besoin de l'évangile? Pour que les autres fassent un Haïtien besoin de l'évangile? Pour que les autres fassent et président, comment est le président ici à même? Jovenel Moïse.
Pour que ça fait Jovenel Moïse besoin l'évangile? Pour que ça fait Trump besoin l'évangile? N'importe grand roi de la table, qui ça? Tout besoin l'évangile. Alors ça c'est une question que peut poser souvent, et ça c'est une question dont besoin connaître. Pour qui ça? Il y a un monde besoin l'évangile. Eh bien, la réponse à lui claire. Pas bonne réponse à lui dit parce que l'homme est perdu sans l'évangile. Sans l'évangile, l'homme est perdu. Qui que ce soit, nous. Parce que j'entends le monde bien. J'entends le monde combien de bœufs, combien de carottes de terre, comme je ne sais pas que ce soit, dit là. L'homme est perdu sans l'évangile. Dans l'évangile. Capable de bien matériel, même. Mais ça pas. Ça pas. Il pas utile rien. D'ailleurs, il y a un pile de matériel ou pas de Jésus. Ou pas même pas bien manger, même parce que comment même pas bien manger. L'homme est perdu sans l'évangile. Pour qui ça fait nous besoin de présenter l'évangile par l'autre monde? Parce que sans l'évangile, tout le monde perdu. Parce que sans l'évangile, tout le monde perdu. Tout le monde perdu. Tout le monde plongé sans l'évangile. C'est ça qui fait que, en tant que chrétien, qui n'a pas voulu maman ou perdu, qui n'a pas voulu papa ou perdu, pas disant fait, ou bien quelqu'un connaît comme ça que, ou pas voulu dire que si il n'est pas converti, comme si, ou bien, on n'a pas converti et puis, en plus là, il mourit, et puis, ou bien, espoir, ah, peut-être, bon, je vais être dans le ciel, moi. Et vous voyez? Bon, je vais dans le ciel, moi. Mais là, il finit de mourir. Eh bien, il chante un messe pour lui pour retirer dans le purgatoire. Pour mettre dans le paradis. Aïe, ouais, aïe, ouais. Faut que tu acceptes Jésus avant ou mourir, qui pour qu'il ait accès au ciel. Donc, l'homme est perdu sans l'évangile. C'est ça que fait, mesdames, messieurs, nous avons une marchandise précieuse que n'a offri en marchandise n'a offri ça n'a fait c'est la vie n'a offri. N'a offri la vie éternelle. Et puis fort parce que la vie terrestre parce que la vie terrestre c'est pour un peu de temps. Tout le monde donc tout le monde côté connaît 20 ans passé 50% ou 60% d'eux a mouru déjà. C'est pour un peu de temps. Dans zone là quand même les demander tout grand monde que connaît eux. Si vous avez besoin de ta de conseil, tout déjà fini mourir déjà. Dernièrement, vous avez 90 ans. Et vous me dites, monsieur, il faut me tourner. Je vais me tourner pour me chiter avec moi. Et moi, je vais me chiter avec moi pour me tendre. Je vais me tourner pour me chiter avec moi. Moi, il était sous galerie avec ça et saluer. Ça, comment il y a petit point par ça? Et je vais me dire, Dieu m'aime très bien. Je vais me tourner pour me chiter avec moi parce que le temps pile pareil. Et tiens, mais si mon Dieu va être. Les coups de demander, bon, je vais pas être mouru. La ligne, je ne vais pas être en chita ensemble. Et pas pour eux, ce n'est pas facile. Ouais, quand même. Donc, l'homme est perdu sans l'évangile. Sans l'évangile, l'homme est perdu. Tout le monde ne voit pas, monsieur Connet. Mon café Goucolette, kidnapper, sous capoché, chimère, ou capoché. Et on nous rapproche, vous pouvez mettre l'évangile, vous pouvez mettre l'évangile. Parce que sans l'évangile là, vous mettez un revolver dans la main, il perdu à tout le revolver là. L'homme est perdu sans l'évangile. Donc, nous avons des médicaments dans la main, qui laisse dans nos secondes, nous avons des médicaments pour le cancer, pour le cancer, ou pas le cancer, ou pas le sauver. Nous avons des médicaments qui piment parce que les médicaments pour le cancer. Et si vous n'avez pas guéri le cancer, il tourne mourir avec encore bien car. Et il a guéri, il a fait mourir longtemps, il a mouru quand même. Mais ça nous gagne, il est là pour la vie et là pour la vie éternelle. C'est lui qui a garanti que jeune monsieur Sayo, que après la mort que moi avec nous va rencontrer dans celle-là. Mais si l'évangile n'a pas appliqué, ça veut dire que nous séparer net. Bon Dieu bénis, bon Dieu bénis. D'où, y a un besoin justifié, ça veut dire besoin sauvé, parce que si ou pas accepter Jésus, eh bien, ou perdu, son monde perdu.
Alors, il y a des gens qui ne sont pas convertis, ils ne sont pas d'accord pour dire ça. Lorsque vous dites ça, vous parlez de chrétiens, vous dites, et moi, c'est un maître, mais pas chrétien. Ils confondent par ailleurs. Mais sans l'évangile, vous perdu. C'est ça, Paul t'a dit. Et parce que dans l'évangile est révélé la justice, l'évangile là l'ouvrit, il montrait, il démontrait la justice de Dieu par la foi, pour la foi. Selon qu'il a décrit, le juste vivra par la foi. Bon Dieu béni. Alors, nous parlons de verset 18, hein, qui est très 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 important et qui va montrer la révélation de la colère de Dieu. Nous allons parler de colère, mon Dieu, tout en tout cas, on a parlé de colère, mon Dieu, mais après, nous allons parler de la colère de Dieu, différentes formes de colère que mon Dieu gagne et comment utiliser la colère de Dieu. Après, nous allons dire, c'est ça qu'on peut prendre le fond, la colère de Dieu. Alors, comme dans le verset précédent, il y a une démonstration de disponibilité de la justice de Dieu et comment nous sommes capables de gagner. Donc, qu'on y a, on a besoin des preuves de l'état de péché de l'homme. Donc, Paul a souligné comment et tout le monde a besoin de justice. Ça. Et justice, ça, il y a un seul qui va aller. Il est l'éternel. L'éternel, c'est le monde qui va justice. Ça. Donc, Paul a montré que tout le monde méritait jugement de Dieu. Tout le monde méritait jugement de Dieu. Comme ça, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement, merci, la vérité captive. On n'a pas travaillé sur ça. Donc, la colère de Dieu. Ici, l'auteur parle de la colère de Dieu. Ce n'est pas une explosion, un mécontentement. Tel que nous, seul ça nous comprend de colère, c'est là où il y a un monde fâché, il mécontent de bagaille. L'auteur parle de la colère de Dieu, pas seulement une explosion, un mécontentement de Dieu. Contre le monde qu'il parle, mais comme si il me content contre le monde qu'il parle, mais c'est pas ça. Mais ça l'a dit là, la colère, ça l'a pas l'air, c'est une réponse à un Dieu qui saint contre le péché. Puisque Dieu est saint, donc le péché est le contraire, est l'opposé de Dieu. Péché à Dieu pas marcher dans le même chemin. Donc, colère, ça, c'est une réponse à péché. Mais ce n'est pas parce que c'est une excitation physique, comme si on connaît un tel fait colère. Et même, il y a quelques monde qui nous voulons comprendre très, très bien. Il y a quelques monde qui nous embrasse une hypocrisie pour nous capables de dire que nous ça que et pas fait colère. Moun a fait colère. Cependant, la Bible est fort contrôler colère. Gagner mauvaise colère et gagner colère sainte. Gagner mécontentement contre le bagage qui n'est pas bon, son forme de colère liée, et ça a fait. Si vous pas mécontent contre ça qui n'est pas bon, c'est que vous n'avez pas les bon Dieu. Son forme de colère. Alors, on a regardé qui calque colère, qui gagne, et on a regardé ça. Mais on a comme si que, tiens, il fait colère. Comprenez? Il y a un monde qui a venu là. Après ça, il descend le pantalon dans l'église pour le pouvoir dans l'église là. Et puis, on a regardé, ça, le fait. Et puis, il y a un monde qui a dit, mais ça, mais c'est pas fait colère, pas fait colère. Ils sont peuples, ça c'est une colère sainte. Les femmes campent contre ça. Vous comprenez? Parce que bon Dieu n'est pas d'accord que ça a fait. Donc, gagner, ça crée les colères saintes. Et gagner
Hein? Bon, là, il y a un monde depuis là parce que pour eux, on va différencier. On va dire, on va faire différence, sinon ça fait colère. Ok. C'est réponse bon Dieu contre le péché. Par exemple, on regarde Esaïe 51, verset 17. Nous avons fait quelque chose pour nous capables ou bien projeter pour nous rapide. Esaïe 51, verset 17. Jérémie 25, verset 15 à 16. Nous avons regardé le regard Israël. Levez-nous, là de Jérusalem. Levez-nous, ce que tu es en pauvre. Levez-nous, au fil de vos déchassements, vous êtes par où? Vous êtes en colère, vous êtes en dégoûté dans vos déchets. Je prie de faire des choses. Je prie de faire des choses. Alors, l'NFL, si vous appelez en créole, postez-le en français. Français, qu'on fasse l'exprimer, bagaille. Créole, là, qu'on fasse l'exprimer. En vérité, les femmes qui sont dans le créole là, pour comprendre mieux, on connaît ça, peut parler en français pour comprendre. Et puis, quand vous êtes là, vous êtes en français, vous vivez dans le créole pour aussi comprendre mieux. Pour bien comprendre tout, quand quitter le français, parler en anglais, pour comprendre ça, ça va dire que là. Réveille-toi, réveille-toi, lève-toi, Jérusalem. Qui a bu de la main de l'Éternel la coupe de sa colère. Hein, on va sentir qu'il fait plus sens. La coupe de sa colère, qui a bu, sucé jusqu'à la lie, la coupe d'étourdissement. La coupe d'étourdissement. Elle a parlé de la colère de l'Éternel. En nous regardant Jérémie 25, verset 15-16. Vous pouvez lire que la fin de la voix française. Quelle cesse? Mais pas Seigneur, bon Dieu fait qu'Israël a dit. Mais on peut déprécier les colères montées dans l'air. On en dit, côté par tout le monde dans le pays, côté ma foyer ou yo, il y a boué, il y a boué, il y a fait le secteur de Yahweh, la guerre ma foyer dans le monde. Alors, il y a un monde capable de savoir comment bon Dieu fait voir la guerre, comment Dieu fait voir, et par ça c'est la colère de Dieu qui a exercé. Ça veut dire, car ainsi m'a parlé l'Éternel, le Dieu d'Israël, prends de ma main cette coupe remplie du vin de ma colère, et fais-la boire à toutes les nations vers lesquelles je t'enverrai. Alors, c'est une façon de parler, langage là. Les autres, mes coupes là, Alba et Oboué. Ce n'est pas un couple qui plaît vraiment pour Oboué. Mais c'est que châtiment m'a voué. Un châtiment, il y a quelqu'un qui n'a pas reçu. Et le plus souvent, châtiment, ça va parler à partir de mes contentements que Oboué et l'Éternel. C'est le résultat péché. Il y a voué le résultat. Ok. Ok. Ça, capable de suivre. Regardez-vous Somme 2, verset 5 et verset 12. Somme 2. Somme 2, verset 5. Après ça, il fait colère, il parle à qui yo, il mauvais sur yo, il fait que yo cassé. Puis il leur parle. Il leur parle. Dans sa colère, il les épouvante. Dans sa fureur. Ah, c'est l'Éternel, oui. L'Éternel. Donc, et Somme 46, verset 7. Les ou en colère, c'est fini ou fini avec nous. Les ou mauvais, vous faites qu'elle nous casse. Ça c'est, oui, papa qui a parlé. Oui. Les ou en colère, c'est fini ou fini avec nous. Nous sommes consumés par ta colère. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante.
la colère, vous avez regardé la colère de l'Éternel. La colère de l'Éternel. Et puis, est-ce que nous voulons l'Éternel en colère contre nous? Ou bien si nous parlons, parlez en colère contre nous. Et la colère de l'Éternel. Donc, ça me plaît mettre dans la tête, nous. C'est pas dire que je vois faire colère comme si que. Pas pour éviter, parce que la colère physique a fait. Il y a des fois, de longtemps, je suis venu en vie, deux ou trois fois, je fais deux ou trois colère, ça a mis tout pour le moment. Parce que lorsque tu es dans la colère, ça, comme si pas gagné, on va craser. Ou pas gagné, qui comme si que ça, capable. Il n'y a pas de crise tension, il n'y a pas de n'importe quel de bagage, il y a un degré ça. Ce n'est pas ça, non, Dieu est capable. Il n'y a pas de bagage, au contraire, pas tout capable de tempérer ou pour ne pas quitter, pour passer ça comme si vous voyez de façon avec l'autre Dieu. Alors, avec maturité, ça va être d'eau pour contrôler. Mais qui chante que ça, ne pas faire colère, ne peut pas faire colère, sont hypocrisie liées. Sont hypocrisie liées et ils parlent de bagage qui est réel. Et nous, comme chrétiens, quand ils pour la vérité, c'est pour nous capables. Comprendre. Donc, faut nous faire attention. Qui ça vous dit de lire? Somme 90, verset 7. Donc, nous finissons. Ok. Mais dans le passage là, dans la colère de Dieu se révèle. Qu'est-ce que ça veut dire, se révèle? Ça veut dire se révéler. Eh bien, qui ça veut dire découvrir. Colère, bon Dieu, hein, découvrir. Ça veut dire rendre visible, faire connaître. C'est ça, ça veut dire. Eh bien, Dieu révèle sa colère. Dans deux façons. Bon Dieu révélé, bon Dieu démontre colère lui dans deux façons. Nous allons regarder, nous allons voir ça. Deux façons que bon Dieu révèle colère lui. Deux façons bon Dieu révèle colère lui. Première façon, c'est indirectement. Indirectement, lui révèle colère lui. Première façon, c'est indirectement. Ça veut dire que, eh bien, lui voyait des conséquences naturelles. Des conséquences naturelles et à cause de violation de la loi morale universelle. Ah, est-ce que nous avons indirectement, bon Dieu capable de révéler colère lui parce qu'il voit quelques conséquences qui frappaient l'humanité à cause que vous désobéissez la loi naturelle. Par exemple, vous avez droit. Dans nos zones, nous coupons tout le bois qui gagne et puis colère, mon Dieu, pour agir sur nous. Il va agir sur nous. L'oreille qui a commencé à tomber sur tout. Tout le monde qui est dans la caille là, tuer le monde. La pluie venue, l'eau qui a envahi tout le monde, c'est la colère de Dieu parce que nous désobéissons à une loi naturelle. Loi naturelle là, c'est que bois planté, si vous n'avez pas coupé bois, c'est pour remplacer bois. Ou quand vous utilisez bois, vous n'avez pas débrasé tout le bagage. C'est que vous désobéissant à une loi naturelle. Donc ça, a va râler la colère de Dieu. Hein? Et puis moi, c'est bon Dieu qui va aller, manchette. Hein? Pas vite dimanche, ou pas vite dimanche. Non, mais vous trappez, bon Dieu prend tes pieds-bois, et bien vous êtes capable d'utiliser, mais il fait pieds-bois, il graine, pour prendre un graine, pour replanter. C'est bois, bon Dieu planté, pour que ça plante, il y a une raison qui fait planter, non seulement les villes permettent que nous jouions manger dans le bois, mais pas seulement pour nous, pieds-bois planté. Pieds-bois planté pour les animaux, pour toutes les bêtes capables de trouver. Hein? Pieds-bois planté pour protéger le sol, protéger la terre, pour l'ombrage, pour capable de protéger, pour terre capable de fertile. Et la colère de Dieu qui a fait l'eau, qui coupe tout le bois, ça fait terre gagnant et pas pour du manger encore. Est-ce que nous comprenons ce que je veux dire? Donc, bon, la colère de Dieu exercée indirectement. Ça veut dire que, bon Dieu n'a pas mis directement les beaux, mais les frapper indirectement. Et les frapper indirectement, qui est-ce qui perdant? Ah ben, c'est nous-mêmes qui perdons. Donc, la colère de Dieu est capable d'exercer indirectement. Dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas directement après? Ok. À la violation de la loi morale universelle. Ça, c'est indirectement. Mais tout, il finit directement. Souvent,
Innocent qu'on passait pour coupable. Bon Dieu béni. Innocent qu'on passait beaucoup pour coupable. Ou bien là où vous partez là-dedans, ou vous avez comporté de façon, mais le fait qu'on a mis lieu, ou a puni pour lui passer sur la sort. Indirectement, innocent qui a payé beaucoup pour coupable. Et innocent qui a mouru, vous êtes quelqu'un de coupable qui était. Parce que son bagage qui indirectement, c'est pas un grand monde, mais son bagage qui fait pour l'environnement. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est la colère indirecte de Dieu. Vous pouvez voir, tremblement de terre qui est fait de janvier, son colère indirecte de Dieu. Et qu'est-ce que ça? L'homme a étudié tout, fait tout bagage. Il y a dans ça. Il y a dans ça. Et au cas où quelque part, il y a un phénomène qui va se passer, c'est colère indirecte de Dieu. Mais quand il y a colère directe, c'est colère directe, là, il y a précis. Colère directe, dans l'Ancien Testament, directement. Dans l'Ancien Testament, il y a un exemple, Adam et Ève. Donc la colère, bon Dieu, tombe sur eux directement. Conséquence. Conséquence de ça. Il y a fait sentence. Sentence que mon Dieu mettez sur vous, il va faire dans la sentence libre, il va dans la sentence libre. Ça, c'est la colère de Dieu qui va agir directement, sentence libre. Et par exemple, l'intégré y a un déluge là, dans Noé, et bien c'était directement, c'est une nation ou deux mondes directement. Mon Dieu, là, il y a un déluge là qui finit avec vous, parce que vous avez comporté droit, donc ça, direct. Sodome, très bien. Moïse a dit avec l'idée, oui. Moïse a été dit, Moïse. Parler de Moïse foi. Direct, très bien. Donc, gagner et la colère directe, déluge mondial. Et vous comprenez? Et la sodomie, Sodome et Gomorre. Sodome et Gomorre, eh bien, le feu et le soufre, c'est détruit Sodome et Gomorre. Eh bien, ça, c'était yon colère dit, direct de Dieu. Ou gagner la captivité babylonienne. Lorsque Babylone est capté, te mette en captivité le peuple Israël là. Ça, c'est une colère directe parce que Israël a péché contre Dieu. Puisque Israël a péché contre Dieu, ben la colère de Dieu agit contre Israël. Donc, râler Israël, aller en captivité. Aller en captivité. Il y a une colère directe. Il y a une colère directe. Direct là, c'est pour un peuple, pour un groupe monde, oui. Il va pour un monde, il va pour un groupe monde, et là, il pour un groupe monde. Là, il pour un groupe monde. Ça veut dire que innocent a passé beaucoup par tout, innocent a passé beaucoup par. Et pour Israël, mais tout le monde a baillé. C'est bon de dire comme ça que ma colère pour mon besoin de prière. Eh bien. Mais. Pasteur, ça qui m'a capable dire, même si là en pays, j'ai toujours délégué au monde pour dire que ça, râler qu'on l'a sorti là, parce que vous pouvez faire même le sacré passé dans le monde. Après prophétie quand même, mais mon n'avez pas quoi c'est vrai, il n'y a pas quoi, comment ça tout va, il était dans le milieu, il n'y a pas quoi. La ville va être coupable, vous n'avez pas attendu, la ville va être coupable. Comme si vous m'avez dit, j'avais un peu de pilé, parce que ça te dit, là, tu n'es pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec là-dedans. Non, si c'est une colère directe, bon Dieu, si c'est la colère directe de Dieu, et puis son groupe monde, dans le groupe monde, il y a un monde qui est juste là-dedans. Oui. Il y a un monde qui est juste là-dedans, tu vois. Dans le cas Akan, il y a un grand pile de choses qui sont dans le cas Akan, il y a une colère directe. Dans le cas David. Oui, ça veut dire que. Gagner la colère directe et la colère indirecte de Dieu. Indirecte de Dieu. Donc, mais côté, vous voyez que vos manifestations de colère qui est graphique, qui est révélée, c'est lorsque Dieu, la haine de Dieu va tomber contre le péché de l'humanité. Vous voyez la colère mondiale. C'est le vide des jugements sur son fils Jésus. Son colère directe. Bon Dieu, vide des jugements
sur Jésus. Afin que les gars récoltent nous à la vérité. Et Jésus, il venait de prédire, Elie, la masse a passé. Pourquoi m'as-tu abandonné? Et le fait que Jésus sentit l'abandonné de son jugement. Bon Dieu, pas là. Parce que bon Dieu, pas qu'à garder ça, bon Dieu, pas qu'à prendre souffrance ça. Bon Dieu, pas là pour prendre souffrance. Et Jésus, pour nous. Donc, nous comprenons deux façons que le bon Dieu agit. Indirectement, directement. Ok, moi nous comprenons ça très très bien. Plaisir. Et au cas semblé, mais non, cause naturelle, son bagage est indirect lié. Cause naturelle, t'as quoi si bien? Si on tremblement de terre, son bagage est indirect. Mais lorsque il frappe Adam, le jugement, direct, lorsqu'il frappe et il frappe Moïse, c'est direct. Lorsqu'il frappe, même quand il frappe un groupe de monde, même il frappe un groupe de monde, pourtant il direct parce que le groupe de monde, ça, il directement dans une situation, il péche contre bon Dieu. Quand Israël a péché contre bon Dieu, ah ben c'est direct qui est parce que bon Dieu frappe Israël. Il frappe Israël, il tellement frappe Israël. C'est le peuple Israël là qui subit. Alors, moi, des fois, on interférence pour être capable de dire, capable qu'un monde en deux temps, jugement, qui est juste. Alors, c'est ça qui a causé confusion. Mais, et il dirait, parce que le peuple Israël là, c'est le péché, eh bien, le jugement tombé, il va tomber sur l'autre peuple, c'est sur le peuple Israël. Non, mais. Dans le cas, si nous avons un exemple, le peuple. Babylone. En Égypte. Qui est-ce que le peuple a puni? Le peuple égyptien. Le ça c'est directement. En punition directe. Dans le peuple de Moïse, là il dit, fait ça, c'est direct. Alors là, il y a des bagailles. Dans le premier moment, le peuple israélien a lui-même dit en Babylone. L'éternel, il y a très bien. C'est deux directs qui passaient là. Parce que ça qui fait en Égypte, en esclavage, c'est une désobéissance. Quand il y a l'éternel pour le peuple israélien qui vient en Égypte, elle servit l'autre. Quand il y a la poignée, il frappe directement la colère de Dieu, il frappe directement. Quand il y a la colère de Dieu, il va renverser pour frapper l'Égyptien directement. En faveur. Non, ça privé. Petit bon Dieu a comparé la donnée. C'est donc un papa qui est petit, il faut un bagage à caler. Là où il a calé, ou même c'est plus, ou quand il dit papa encore, dit ça, quand il va dire papa encore. Parce que pendant la calé là, il est comme s'il fâche à petit monde. Mais il parle là et puis il va. Si vous venez au baillon court, comme si vous aidez, vous dites papa, d'où vous père? Si vous avez un bon trop, vous venez à combattre au bon baillon court. Vous ne connaissez pas qu'à quitter Pétain, mais c'est aussi mon cher. Oui, parce que, même si la pluie est Pétain, mais vous même pas rentrer dans ça, dans le moment où vous êtes sous cap, t'es indu, ça veut dire pas vrai. Madame Macmal, oui. Parce que, il y a encore une histoire de Madame Macmal, qui a goûté, et puis, papa fille allé, et il a quitté fille, et il l'a séparé. Il a mes filles à râler dans le séparé. Et puis après ça, il vient tourner, Madame McMahon vient tourner. Bah, ça veut dire tout fouler les gars, tout fouler les filles. Là, il tourne, après ça, papa, il fait tourner les jeunes marins. Papa, ouais, fille, il dit comme ça. Comment on sent son petit jambe, ouais, et il est tellement ça. Il dit tout le bagage bien, parce que le gros d'autres qui aiment même faire mal. Ah oui. Ah oui, vous venez d'entrer dans le cœur. Ok. Je ne sais pas pourquoi tu as fait mal. Ok, voilà bien. Donc, on va payer son fer, coller ça son.
Bon Dieu est en colère pour ce qu'on fait personnellement. Il est en colère avec vous pour ce qu'on fait qui mal personnellement. Ou à payer bagaille. Là, il y a des bagailles qui payer sans ma colère, mon Dieu. Ou à payer ce qu'on fait. Ça, c'est quatrième colère. Colère conséquentielle. C'est le principe de semer et récolter. Cinquième colère, là, c'est la colère d'abandon. Pas beaucoup de choses vous donner ça très bien. Parce que quand nous avons fait, quand nous avons fait n'importe ça, vous voulez, bon Dieu qui vous fait n'importe ça, vous voulez, et puis vous êtes à l'aise. Et puis nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire ça. C'est colère, ça n'a pas l'air là. Qui est-ce que la colère ça a fonctionné? Qui je connais ça fonctionner, c'est que l'Éternel enlevait, restreint, l'y enlevait comme si barrage que tu mettais pour ne pas faire péché, hein? L'Éternel enlevait, l'y retirer. Ça veut dire l'ouvrir barrière, l'y quitte au faire péché aujourd'hui. Les livres, très bien, très bien, très bien, très bien. L'Éternel livré au péché. Si on a piqué un collègue, laisse ça où son monde fini. Comment ça fait? C'est lorsque l'Éternel a pris tabou, autant de la parole de Dieu tout le temps. Pour capable. Pas péché. Après, ou continuer. Comme si on a offensé l'Éternel. Offensé l'Éternel. Jusqu'à ce que l'Éternel vive, et puis il retire les barrières, il retire couverture des sous-roi. Et puis il livre pas péché. Laissez-moi vous parler de process encore. Ou bien. Et on va parler, c'est pas pour parler parce que péché a gagné. Laissez-moi son monde qui pêche. Et quand on dit comme ça, il tellement. Ou tellement ouais clair, ou est chiant, on va agir. Comme si on dit, est-ce qu'il va gagner? Il va gagner, j'ai pris, ouais. Écoutez, il va gagner. Parce qu'il livrait déjà. Son monde qui livrait. Et c'est plus gros bagaille. Pour bon Dieu, livre ou à péché. Ou pas gagner espoir. Ou fini. Ou livrer ma péché. Qu'on a ce 100 ans, 60 ans. 100 ans, 60 ans. Qu'on a ça. Alors déjà, on condamne. Bon, on n'a pas qu'à prendre. Dans ce sens, parce qu'il y a une bonne restauration après. Oui, il y a une bonne restauration. Mais ça me semble qu'au commencement, tu as pris un petit peu ça. Malgré qu'on ne sache pas bon, la persévérer là-dedans quand même. La persévérer là-dedans quand même. Bon, j'ai quitté la allée juste. Il crevait déjà. Dès que j'ai pété. Et comme moi, j'ai une leçon qui a démontré. Bon Dieu qui t'a restauré, mais là où livré à péché, le sa présence, l'esprit bon Dieu qui t'a pour qu'un beau prenne la crainte, il sortit, ou pas rien crainte encore. Ou quand on qui était dans l'église, à vous entendez mon travail beaucoup. Parce que, il commence à le voir beaucoup, il n'est pas sorti dans l'église directement, il beaucoup, non, mais il a un décret, il n'a pas avancé. Il n'a pas avancé avec force. Il n'a pas avancé sérieusement. Jusqu'à ce que bon Dieu retire la couverture là, on ne s'est pas protégé encore, on ne s'est lagué dans le péché. Laisse ça, il n'y a pas peur. On ne s'est pas prêt. Il était dans l'église, après ça, pour garder pour y avoir qui veut dans la rue. On ne peut pas parler de bagaille comme ça. Il ne soit pas. Et le plus souvent, il y a un bon monde comme ça, ou quand on quitte dans l'église là, lorsque je suis avec eux, le poupatier opposé, et quand tu vois ça, moi-même, c'est pour nous qui faisons quitter l'église. Nous avons une Jenny Limon dans la campagne. Nous avons une telle campagne. Comme si la crée est causée, même, parce que c'est un monde qui livrait la fait cause. C'est un monde qui a livré. Il va mettre l'esprit, il va mettre conscience dans lui encore, comme si c'est un monde qui livrait à péché. La colère de Dieu, c'est à son dernier degré de la colère de Dieu. Qu'est-ce que ça le dit? Parce que Satan s'est mis en guerre, c'est quoi ça? Il y a un
Oui, c'est vrai, Satan a commencé à pécher, jusqu'à ce que bon Dieu retire. Et puis, Satan, pas son bon exemple, Satan pas qu'à repentir. Ou même trouver que, ou pas besoin de monde qui Satan de l'aide ou de repentir. Non, peut-être, pas quitter Satan, les Satan sortir dans le détail, pas qu'il y a un bon sens, qu'on est capable de parler pour le repentir. Mais pendant que Satan, même si on dit ça, la tour, pas qu'à repentir. Nous pas qu'à repentir, nous connaissons pas dans l'enfer. Satan tout ça, même oui, nous connaissons pas dans l'enfer. Mais nous connaissons ça. Mais la persécution jusqu'à là, mais nous pas qu'à repentir. Parce que c'est livré. Et ça fait nous-mêmes. C'est ça, Satan a depuis fait, oui. Satan a depuis fait, bon Dieu livré, nous, oui. Parce que depuis nous péchons, lui-même est péché, bon Dieu livré. Il dit, depuis fait, mon Dieu, aucun nous remplace maintenant. Depuis fait au péché, eh bien, mon Dieu a livré. Oui, nous avons subi même ça. Mais nous-mêmes, nous péchons, bon Dieu fait nos grâces. Bon Dieu fait nos grâces, il prend nos coups. Un gros coup. Non, beaucoup, il prend. Non, quand dernier moment. Judas, son bon exemple, Judas. Judas péché. Mais que Judas, c'est pas le nom, il péché.